voilà l'arrivée. L'arrivée des grandes stars du football béninois. Ils sont là, ils sont là, ils sont là. Oh, camarades de Louisiane, Steve, maintenant, là, maintenant, c'est le moment de l'hymne national. Enfant du Bénin de chant. Enfant du Bénin de Bénin. Ils honorent le Bénin. Ouais, l'autre qui était délicieux pour tout le monde. Feu de l'Europe, l'hymne national. Voilà, voilà, ce sont des vrais citoyens, ça là. Le feu de l'Europe, c'est grave, hein. Hello, hello. Oh voilà, 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 les échauffements commencent. Allez, allez, les écureuils. Oh, le football béninois rempli de rien que des estropiés. Un pied en haut ici, un pied en bas là-bas. C'est grave, c'est grave. En plus de ça, voilà quelqu'un qui s'est dépigmenté partout. Tous les corps, il s'appelle Sabrina Stébalogun. Quand vous regardez son pied, c'est un terrain clair. Moi, je centre. Ah, faut pas compliquer les choses. C'est mon ballon, donc c'est moi, je centre. Sinon, on arrête le match. Et qui a mis les deux danses? De toute façon, c'est mon ballon. Les deux joueurs se disputent le ballon parce qu'il n'y a pas d'habitude sur le terrain. Mais qu'est-ce qu'ils vont faire? Qu'est-ce qu'ils vont faire? Non, ne le touche pas. Ne le... Voilà. Et ça fait de commencer. Un pied en haut qui a le ballon. Il a le ballon. La première dribble. Un pied en haut. Un pied en haut, qu'est-ce qu'il va faire? Qu'est-ce qu'il va faire? Et il a dribblé. Oh, mais Calcio! Le pied en acier, qu'est-ce qu'il veut faire? Oh, il va lui tordre le cou gauche. Mais non! Oh, mais putain! Putain, mais ça, ça devait être une faute! Il lui a mangé le pied. Il lui a mangé le pied. Ouais, bébé, c'est ça. Ouais. C'est normal. Regardez son pied. Un pied en acier comme ça, c'est grave. Oui, 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 oui. Calcio, le pied en acier, qu'est-ce qu'il veut faire? Oh, il va lui tordre le cou gauche. Mais non! Oh, mais putain! Voilà. Et ça ne fait que commencer. Un pied en haut qui a le ballon. Il a le ballon. La première dribble. Un pied en haut. Oui, oui, oui. Un pied en haut, qu'est-ce qu'il va faire? Qu'est-ce qu'il va faire? Et il a dribblé. Oh, mais Calcio. Oh, et voilà Calcio qui vient de s'asseoir encore dans les filets. C'est grave, il vient de s'asseoir dans les filets. On voit vraiment que celui-là, c'est quelqu'un de Ouida. Du genre les Glevouinois. Mais c'est grave, il donne le dos. Il donne le dos. Il donne le dos et Balogun qui veut frapper. Balogun qui veut frapper. Il va frapper. Il va frapper. Un pied haut. Un pied en bas. Oh le putain. Hey, le poteau, c'est le poteau. C'est le poteau. C'est le poteau que ça a touché. Va putain le poteau. Merde. Merde. Le poteau. Vas-y. Ouais bébé, c'est ça. Oh. Monsieur Calcio. La touche de Calcio. Nous allons directement aller vers là-bas après pour contrôler le reste. Oui. Calcio qui va lancer la touche. Et puis il a morti le ballon sur la poitrine. Et voilà, il frappe en l'air. Il frappe en l'air. Un joueur très maladroit qui chasse les oiseaux dans les airs. C'est grave. Ici, nous ne sommes pas dans la brousse. Hein. Nous ne sommes pas sur un terrain de chasse. Nous sommes sur un terrain de football. Plus à le football béninois. Allez, les jeunes, allez. Pourquoi tu cries comme ça? Assoute-moi, Gaëme. Assoute-moi, Gaëme. Assoute-moi, donc ils sont tous jaloux quand on a fait le rugby mais bien sûr ah à mon gros bras entonné et de aider né allez allez oh. Bébé vas-y seulement oui ça continue ça continue ça continue voilà ça m'a été Balogun il vient de se passer il vient de se passer Calcio il a su passer il a su passer et c'est le but malgré qu'il a un pied de penché malgré qu'il se saute un seul pied. Calcio avec sa forme de Hulk, on dirait David de Goliath. Oh, David vient de battre Goliath encore si c'était un béninois. Oh, mes joueurs, vous êtes formidables et fantastiques. Allez, allez. Moi, j'ai rien gagné. Voilà, assis bon pas. Assis bon pas. Voilà, oui, c'est ça, exactement ça. C'est bon, non? C'est quoi? 5 mètres. Nous allons voir comment ça se fait. Comment ça va se faire dans le cas de Gus plutôt. Développe Biaga. Mais là, j'ai pas compris.
Hein? On dirait que les deux joueurs se disputent à cause du ballon. Ça, tu vois, c'est mon ballon. Si je te dis fais assis vos pas, je peux pas. C'est parce que je joue bien que toi. Il se dispute du ballon de l'autre. Mais c'est l'autre qui a amené son ballon. Pourquoi tu fais ça maintenant? C'est l'autre qui a amené son ballon. Où c'est ballon Tony Bo? Oh non, Calcio, c'est pas ton ballon. Remets-lui son ballon. Quand c'est fini? N'est pas pour ballon. Ballon faut le finir. Bon, tu vas dire, Bimbo. Donne-moi mon ballon. Pourquoi? Il me renouille. Il me renouille. Ballon m'a été. La roue dit. Prends-tu ce ballon, hein? Moi, Nyolo, là, je vais foutre la roue. On dirait que les deux joueurs avaient un antécédent. C'est grave. Et c'est très grave. Mais tu as le ballon, mais ton jambon. C'est le ballon. Pourquoi tu as mis 4 jambons? Balogun à terre qui est en train de pleurer. Balogun se fait battre, attention. Oh, mais c'est grave. Voilà ce dont je parlais. Les deux joueurs qui se disputent toujours du ballon. C'est très méchant. Voilà, c'est la loi du plus fort.